Salut à tous. Certaines des choses laissées par nos ancêtres antiques sont mystifiantes. Lorsque nous disons qu'elles sont mystifiantes, nous ne voulons pas dire seulement pour nous, elles sont également mystifiantes pour les archéologues qui les trouvent et les scientifiques qui les étudient. Nous avons des découvertes archéologiques étonnamment étranges à vous montrer dans cette vidéo, et nous allons commencer tout de suite. C'est parti. Crucifixion dans l'ancienne Grande-Bretagne. Nous associons la crucifixion aux anciens Romains, et plus spécifiquement au sort de Jésus-Christ. Il est plus difficile d'imaginer des crucifixions réalisées dans les îles britanniques, mais en décembre 2021, des archéologues à Cambridgeshire, en Angleterre, ont découvert la première preuve physique directe de la méthode d'exécution se déroulant là-bas. Sur un site réservé à un nouveau développement de logement, l'équipe a trouvé un squelette vieux de 1900 ans avec un clou enfoncé dans son os du talon. Le squelette est celui d'un homme âgé entre 25 et 35 ans qui a été trouvé enterré avec ses bras croisés sur sa poitrine. Des découvertes comme celle-ci sont rares car les victimes de crucifixion recevaient rarement des enterrements appropriés. Cet exemple particulier est encore plus rare parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la crucifixion était généralement réalisée à l'aide de cordes plutôt que de clous car c'était plus facile. En fait, c'est si rare que c'est la première preuve concrète enregistrée de crucifixion dans le nord de l'Europe et seulement la quatrième dans le monde entier. On pense que les Romains utilisaient la crucifixion comme méthode d'exécution seulement pour les esclaves, les rebelles anti-romains et ceux des classes inférieures pendant leur occupation de la Grande-Bretagne. Il est donc juste de supposer que cet homme malheureux venait de l'un de ces groupes. Boucle d'oreille énigmatique. Continuons avec une belle pièce de bijouterie, spécifiquement une boucle d'oreille du XIe siècle. Elle a été découverte par un détecteur de métaux amateur travaillant dans un champ dans l'ouest du Jutland en décembre 2021 et est considérée comme la première découverte de son genre en Scandinavie. C'est une boucle d'oreille en émail doré et elle fait partie des seules 12 qui aient jamais été trouvées dans le monde. La boucle d'oreille est façonnée en forme de croissant soutenue par une plaque d'or puis encadrée de plus d'or autour de l'émail violet, vert et bleu. Un fil d'or a été utilisé sur l'émail pour créer le contour de deux oiseaux à côté d'un arbre. Il est probable que l'arbre soit l'arbre métaphorique de la vie dans la mythologie nordique, mais ce n'est pas une pièce norse. Il est plus probable qu'elle ait été fabriquée en Égypte et qu'elle soit parvenue à l'ouest du Jutland par le commerce ou le pillage. L'explication du pillage est rendue moins probable par le fait qu'il n'y a pas de colonie viking connue dans cette partie de la Scandinavie, mais l'idée de quelqu'un ici échangeant pour cela est tout aussi improbable. Les historiens sont assez sûrs qu'une boucle d'oreille de cette qualité n'aurait pu appartenir qu'à quelqu'un de sang royal. Stèle d'Athènes ancienne. Des archéologues allemands ont passé une bonne partie de 2014 à creuser sur un site appelé Kerameikos à Athènes en Grèce et ont été récompensés pour leurs efforts par la découverte d'un morceau d'une stèle funéraire de l'époque classique. La découverte a été faite non loin d'une section du parc archéologique connue sous le nom de Porte Sacrée, suggérant qu'il s'agissait d'une sépulture très importante. Comme il ne reste qu'un tout petit morceau de la stèle, il est difficile de comprendre sa signification complète, mais il reste suffisamment d'informations pour déterminer qu'elle appartenait à un groupe familial. Il y a aussi un dessin gravé sur le fragment représentant une femme assise à côté d'une jeune fille et d'un homme barbu. C'est très probablement une représentation de la famille. Les experts pensent qu'il y avait au moins deux ou trois autres personnes sur les morceaux manquants de la stèle. Un nom est gravé sous le dessin. Basé sur le style de l'œuvre d'art et les preuves archéologiques sur le site, il est possible d'estimer que le monument a été construit il y a environ 2400 ans. Il faisait probablement partie de la nécropole devant la porte sacrée, mais quelques années plus tard, il a été enlevé et utilisé comme matériel de construction pour autre chose. Langue d'or de l'Égypte ancienne. Si quelqu'un a le don de la parole, signifiant qu'il est un orateur doué et persuasif, nous pourrions dire qu'il a une langue d'argent. Apparemment, les anciens Égyptiens sont parfois allés plus loin avec cette métaphore et l'ont rendue littérale. En décembre 2021, un trio de momies égyptiennes avec des langues en or a été découvert à l'intérieur d'une tombe gréco-romaine à Oxyrhynque, en Égypte. La tombe en calcaire était restée intacte depuis l'époque de la 26e dynastie, il y a 2500 ans. Deux des momies ne sont guère plus que des squelettes, mais la troisième est dans un état si bon qu'elle a encore des cheveux et tous ses tissus mous attachés. Dans les trois cas, il y a une feuille d'or en forme de langue à l'endroit où la langue devrait être. Les Égyptiens croyaient que les morts devaient pouvoir négocier leur entrée dans l'au-delà après leur décès, et donc ils devraient pouvoir parler couramment et de manière persuasive. Peut-être que cette étrange pratique funéraire était un moyen d'aider à garantir que leurs proches décédés pourraient le faire.
Une sépulture similaire a été trouvée ailleurs en Égypte en février 2021, mais à part cela, c'est une découverte très rare et nous ne sommes pas totalement sûrs de sa signification. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien. Ensemble, nous sommes plus forts. Aqueduc romain inachevé. Les anciens Romains étaient des constructeurs d'aqueducs extrêmement accomplis, mais tous les aqueducs qu'ils ont commencé à construire n'ont pas été finis. En voici un qu'ils n'ont jamais vraiment terminé. Il se trouve en Arménie et a été découvert en novembre 2021. Outre le fait qu'il soit inachevé, la structure est notable car c'est l'aqueduc le plus à l'est de tout l'ancien empire romain. Ce qui reste de celui-ci, ou plutôt ce qui en a été construit, a été découvert lors de travaux de fouilles sur un site hellénistique connu appelé Artaxata. Les archéologues sur place disent que le pont de l'aqueduc a été travaillé entre les années 114 et 117, mais ils sont incapables de dire pourquoi les Romains ne l'ont pas fini. Ce qu'ils savent, c'est que la ville antique d'Artaxata était censée devenir la capitale de la province romaine en Arménie, mais ce plan n'a jamais abouti. Faire de l'Arménie une province romaine était le plan de l'empereur Trajan et il est décédé en l'année 117. Son successeur Adrien était beaucoup moins intéressé par l'Arménie et a abandonné l'idée d'une province. Ce faisant, il semble qu'il ait poussé son peuple à abandonner l'idée de l'aqueduc. Pendentif en ivoire eurasien. Il y a eu une percée archéologique majeure en Pologne en novembre 2021 lorsque des archéologues ont découvert ce qui est considéré comme la plus ancienne pièce de bijouterie décorée par des humains jamais trouvée en Eurasie. C'est un pendentif en ivoire et les experts pensent qu'il a environ 41 500 ans. L'artefact est fait de défenses de mammouth et est couvert de marques de ponction faites délibérément. Le bijou ancien a été découvert brisé en deux morceaux lorsque les archéologues ont fouillé un site au fond de la grotte Stajnia en Pologne. Les experts notent que les 50 marques de ponction sur la surface du pendentif sont arrangées en une courbe bouclée. Nous ne sommes pas sûrs si le motif a une signification, mais ils ont spéculé que les trous pourraient être liés au cycle du soleil ou de la lune. Alternativement, peut-être que chaque trou enregistre une chasse d'animal réussie. La pièce provient d'une époque où les humains modernes commençaient tout juste à orner leur corps de bijoux. Les scientifiques et les historiens se sont toujours demandé pourquoi nos ancêtres ont spontanément décidé de commencer à faire cela, et bien que cette découverte ne réponde pas à cette question, elle nous rapproche un peu plus des origines de ce comportement. Découverte d'une pirogue maya. Ensuite, nous allons dans le sud du Mexique, où une pirogue maya vieille de 1000 ans a récemment été trouvée dans un cénote de Yucatan à San Andreas. Le fait que le bateau ait passé les 1000 dernières années immergé dans un bassin d'eau douce a préservé son cadre en bois presque parfaitement. La découverte a eu lieu non loin de la légendaire ville en ruine de Chichen Itza, il est donc probablement juste de supposer que la pirogue appartenait à l'un des résidents de la ville. Mesurant 1,50 m de long, elle était probablement conçue pour transporter deux ou peut-être trois personnes en même temps, peut-être qu'il s'agissait d'une pirogue familiale. Des fragments de bateaux comme celui-ci de la même époque ont été trouvés auparavant au Belize, au Guatemala et au Quintana Roo, mais c'est la première fois qu'on en découvre un encore entièrement intact. Cette trouvaille intervient alors que les archéologues fouillent à la hâte une zone du Mexique qui a été réservée pour un nouveau projet de train rapide interurbain. Le projet n'est pas sans controverse, puisqu'il implique de construire sur ou de détruire des terres qui appartenaient autrefois aux Mayas. Mais à court terme, il a provoqué une rafale de découvertes alors que les archéologues prennent ce qu'ils peuvent tant qu'ils en ont encore le temps. Thème mystérieux. Dans les ombres d'une grotte oubliée sur l'île de Luzon, aux Philippines, repose la lame de la vérité céleste, un artefact dont la légende se perd dans les brumes du temps. On dit qu'elle a été forgée à partir d'un météorite tombé du firmament, une nuit où les étoiles semblaient danser frénétiquement dans le ciel. Les anciens habitants de l'île, connus sous le nom des Illuminés de Batala, auraient utilisé cette épée mystique dans des rituels sacrés pour établir la communion avec les dieux. La lame exhale une aura bleu-vert, pulsante, comme si elle était vivante, contenant l'essence pure du cosmos. Les détails sur son manche sont si intricats qu'aucun artisan moderne n'a été capable de les répliquer. Des créatures mythologiques philippines semblent se mouvoir parmi les gravures lorsqu'elles sont vues sous la lumière de la lune. Le découvreur, Matteo Alonso, un historien passionné par les traditions folkloriques des îles, a fait cette découverte après avoir suivi une carte ancienne trouvée sur le marché des antiquités de Manille. Matteo, avec sa découverte, croit avoir trouvé la clé pour dévoiler les pouvoirs divinatoires des anciens prêtres de Batala. Cependant, la lame de la vérité céleste est gardée par un être mystérieux, une statue colossale d'un naga,
une divinité serpent qui, selon les histoires, ne s'éveillera que lorsque le digne de manier le pouvoir de l'épée se présentera. Jusque-là, elle reste immobile, une sentinelle silencieuse sur un trésor de pouvoir inimaginable, attendant le prochain chapitre de son histoire éternelle. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-le nous savoir dans les commentaires. Origine du textile ancien. L'art de faire des vêtements est l'un des plus anciens de l'histoire humaine, mais il a dû commencer quelque part. Peut-être pouvons-nous obtenir un aperçu de ses origines en examinant cette découverte de septembre 2021 à Çatal Öyük en Turquie. Les archéologues savent déjà qu'il s'agit d'une partie inhabituelle du monde, car jusqu'à 10 000 personnes vivaient ensemble ici il y a 9 000 ans. S'installer de manière permanente n'était pas un comportement standard à cette époque de l'âge de pierre, mais ces gens l'ont fait et ce faisant, ils ont créé le plus grand établissement connu de l'ère néolithique. Ils ont également laissé derrière eux quelques morceaux de textile et de tissu pour que nous les trouvions. Le plus controversé d'entre eux a été découvert en 1962. C'est un petit morceau de tissu que certains experts ont suggéré être en laine ou en lin. En fait, en septembre 2021, nous savons qu'il est fait de fibres de bast. À ce titre, c'est le tissu tissé le plus ancien préservé au monde. Nous avons longtemps cru que lorsque nos ancêtres ont commencé à fabriquer des vêtements plutôt que de porter des peaux d'animaux, ils utilisaient le lin comme matériau par défaut. Sur la base de l'âge de ce tissu, qui a été créé il y a au moins 8500 ans, il semble maintenant que les premiers vêtements fabriqués par l'homme aient pu être faits de bast. Épée de croisée. Shlomi Katzin est un plongeur israélien, mais en septembre 2021, il est devenu accidentellement un archéologue marin. Shlomi a plongé dans la mer, près de Haïfa en Israël, dans l'espoir d'apercevoir quelques poissons tropicaux. Mais quelque chose de bien plus grand a attiré son regard. Il a ramené sa découverte mystérieuse à la surface, ce qui n'était pas facile vu sa taille et son poids, et a été choqué de voir qu'il avait trouvé une épée à l'aspect ancien. Des archéologues professionnels ont rapidement identifié la trouvaille chanceuse de Shlomi. Cette épée a environ 900 ans et appartenait autrefois à un chevalier croisé. Pour être plus précis, elle appartenait probablement à un chevalier croisé qui était stationné à la citadelle croisée d'Atlit, non loin de Haïfa. L'épée de croisée semble plus grande qu'elle ne l'est en réalité à cause de l'épais revêtement de boue, de limon et de vie marine qu'elle a acquis pendant ses nombreux siècles sous l'eau, mais même si tout cela était nettoyé, elle mesurerait encore 1,50 m de long. Entre cela et le fait que la lame est faite de fer, c'est un miracle que quelqu'un ait pu la soulever. On pense que l'épée est entièrement intacte sous la coquille croûteuse et a été envoyée à des professionnels pour restauration peu après sa découverte. Mosaïque majestueuse de Jéricho. La ville palestinienne de Jéricho est le plus ancien établissement continuellement occupé au monde. C'est un lieu de merveille antique et c'est également là que vous trouverez l'une des plus grandes mosaïques de sol au monde. La mosaïque se trouve à l'intérieur du palais d'Hicham et en octobre 2021, elle a été révélée à nouveau au public après des années de travaux de réparation et de restauration. La mosaïque ressemble presque à un énorme tapis couvrant une surface de juste en dessous de 800 mètres carrés et contenant plus de 5 millions de pièces individuelles de pierre. Elle a été créée pour la première fois au 8e siècle. Il y a d'innombrables images différentes dans l'œuvre d'art, y compris des lions attaquant des cerfs comme symbole de guerre et deux gazelles symbolisant la paix. Toute la pierre utilisée dans la mosaïque a été localement sourcée en Palestine. L'ancien palais a été complètement oublié à Jéricho, jusqu'à ce que des archéologues le redécouvrent à la fin du 19e siècle, et même alors, il a fallu attendre les années 30 pour enlever assez de poussière et de débris pour révéler le sol à motif. Le projet de restauration, qui aurait été financé par des bienfaiteurs japonais, a coûté environ 12 millions de dollars. Ski ancien norvégien. La Norvège est un excellent endroit pour faire du ski. Des gens du monde entier visitent le pays pour cette raison, mais les locaux font du ski depuis bien plus de 1000 ans. Nous le savons grâce à la découverte d'un ski en bois vieux de 1300 ans dans la glace norvégienne en juillet 2021. Il semble être le ski compagnon d'un autre qui a été trouvé non loin d'ici en 2014. Il est fait du même bois et semble avoir été coupé en même temps, il est donc raisonnable de supposer qu'ils forment une paire. Ils deviennent ainsi automatiquement la plus ancienne paire de skis connue dans l'histoire du monde. La glace a si bien préservé les skis qu'ils ont encore leur fixation originale faite de lanières de cuir et de bouchons en bois. Le point d'appui du ski le plus récemment découvert montre des signes de réparation à plusieurs reprises par son propriétaire, ce qui nous fait nous demander pourquoi il a été abandonné dans la glace. Il n'était pas cassé et avait clairement été une possession très utile pendant longtemps.
cette partie de la Norvège aurait été bonne pour la chasse aux rennes il y a 1300 ans, ce qui pourrait expliquer pourquoi le propriétaire des skis était ici, mais pas pourquoi il semble avoir laissé sans son équipement. Régime de l'âge de fer. L'archéologie peut sembler être un travail glamour lorsque vous pénétrez dans une tombe remplie de trésors, mais pas tant que cela lorsque vous examinez des excréments humains anciens. Quelqu'un doit cependant faire le travail sale, et en octobre 2021, une équipe de scientifiques a aidé les archéologues à dévoiler les secrets d'un bloc d'excréments humains, vieux, de 2700 ans, qui a été trouvé dans la mine de Hallstatt, située dans les Alpes autrichiennes. L'objectif était d'en savoir plus sur le régime alimentaire des personnes qui travaillaient dans les mines pendant l'âge du fer, et ils ont réussi à cet égard. Le verdict est que les travailleurs mangeaient beaucoup de fromage bleu et buvaient beaucoup de bière. La présence de tant de bière a été une grande surprise pour les experts qui pensaient auparavant que la fabrication de la bière par des processus de fermentation délibérés était au-delà des connaissances de quiconque vivant en Autriche à l'époque. Outre tout ce fromage et cette bière, les excréments contenaient des protéines de viande, des haricots, des céréales et des fruits. Tout compte fait, cela ressemble à un régime équilibré et sain, et nous ne sommes pas surpris que les travailleurs aient voulu une bière après une dure journée de mine. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré ? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.